le clergyman maudit. Ce fut un homme grave, au regard intelligent, aux vêtements sobres et à la barbe grise, qui m'introduisit dans la mansarde. Il me parla ainsi. « Il a vécu ici, en effet, et je vous déconseille de toucher à quoi que ce soit. Votre curiosité vous rend irresponsable. Nous ne venons jamais de nuit dans cette chambre, et ce n'est que pour respecter ses dernières volontés que nous conservons tel quel cet endroit. Vous connaissez son œuvre. Alors qu'il était pratiquement parvenu au terme de ses expériences, cette société abominable est intervenue. Aussi, nous ignorons où il est enterré. » Personne n'a pu atteindre les membres de cette secte, pas même les hommes de loi. J'espère que vous quitterez la place lorsque la nuit sera tombée. Je vous demanderai en outre de laisser sur la table cet objet qui ressemble à une boîte d'allumettes. Nous ne savons pas ce qu'il représente, mais nous soupçonnons qu'il a un rapport avec ce qu'il a fait. Nous allons même jusqu'à éviter de le regarder fixement. Au bout d'un moment, l'homme me quitta. La mansarde était sale et poussiéreuse. Malgré ses meubles sommaires, quelque chose en elle affirmait que celui qui l'avait habité n'était pas accoutumier des taudis. Une étagère d'ouvrages classiques et théologiques couvrait un pan de mur, une autre bibliothèque contenait des traités de magie. Paracels, le grand Albert et d'autres textes écrits dans un alphabet étrange que je ne parvins pas à déchiffrer. La pièce comportait un placard. Sa seule issue était la trappe qui s'ouvrait sur un escalier raide. Les fenêtres étaient des œils de bœuf, et les poutres de chêne noirci révélaient leur grand âge. Bref, cette maison appartenait au vieux monde. Où me trouvais-je? Cette ville, assurément, n'était pas Londres. Selon moi, c'était un petit port. Le curieux objet posé sur la table me fascinait. J'en connaissais l'usage. Je sortis de ma poche une torche électrique, ou quelque chose de semblable, et fit quelques essais anxieux. La lumière n'en était pas blanche, mais violette. Elle avait plutôt l'aspect d'une lueur radioactive que celui d'une lumière véritable. Je ne m'en servais pas en fait comme d'une lampe ordinaire. En effet, je possédais une lampe électrique ordinaire dans une autre poche. Il commençait à faire nuit et les vieux toits et les cheminées avait une étrange allure vue à travers la minuscule fenêtre. Rassemblant tout mon courage, je calai contre un livre sur la table le petit objet. Puis, je dirigeai dessus les rayons de la lumière violette. Elle se rapprochait plus à présent d'une pluie de petites particules violettes que d'un rayon continu. Tandis que ces parcelles de lumière frappaient la surface de verre, au centre du curieux objet, elles produisirent un craquement comme celui des étincelles traversant un tube de vide. La surface de verre sombre émit une lueur rosâtre et une vague silhouette blanche parut prendre forme en son centre. C'est alors que je constatai que je n'étais plus seul dans cette pièce. Je remis le projecteur dans ma poche, et le nouveau venu ne parla pas et je ne perçus aucun bruit dans les moments qui suivirent. Comme si cette scène eût été une pantomime. Le nouveau venu et ses compagnons, cependant, étaient des êtres de grande stature. Le premier, un homme mince et sombre, de taille moyenne, était revêtu du costume ecclésiastique de l'église anglicane. Il avait une trentaine d'années, le teint verdâtre, et malgré des traits agréables, le front anormalement haut. Ses cheveux noirs étaient bien coupés, soigneusement peignés, et il était rasé de près, quoique sa barbe, très foncée, marqua son menton d'une ombre bleuâtre. Il portait des lunettes sans monture avec des branches d'acier. Il n'était pas si différent, somme toute, des autres hommes d'église britannique de ma connaissance, mais il avait le front plus haut, la peau plus sombre, l'expression plus intelligente et aussi plus subtilement diabolique. Avant que j'eusse le temps de prévenir son geste, il avait déjà lancé tous ses livres de magie dans la cheminée qui se trouvait dans un recoin de la pièce et que je n'avais pas aperçu tant elle était dissimulée par l'inclinaison de la mansarde. Les flammes dévorèrent les volumes dans un mélange étonnant de couleurs étranges et d'odeurs affreuses. Parmi les hommes qui apparurent alors, j'en remarquai un qui portait le rabat et la culotte courte d'un évêque. Il semblait à la fois haïr et craindre le premier arrivant, et celui-ci paraissait éprouver à leur égard
le même sentiment. Une expression sardonique figeait son visage, mais je pus voir que sa main droite tremblait tandis qu'elle agrippait le dessus d'une chaise. L'évêque désigna la bibliothèque vide et la cheminée où les flammes venaient de s'éteindre. Le premier arrivant eut un sourire narquois et tendit la main gauche vers le petit objet sur la table. Alors, toute l'assistance recula d'effroi. La procession des ecclésiastiques disparut peu à peu le long de l'escalier, après avoir franchi la trappe. En partant, ils eurent tous des gestes menaçants à notre intention. L'évêque fut le dernier à quitter les lieux. Quand nous fûmes seuls, le premier arrivant se dirigea vers un placard, d'où il retira un rouleau de corde. Grimpant sur une chaise, il attacha une extrémité de la corde à un crochet fixé sur l'étagère centrale en chêne noir et fit un nœud coulant avec l'autre extrémité. Comprenant qu'il voulait se pendre, je m'avançai pour tenter de l'en dissuader. En me voyant, il s'interrompit et me contempla avec une étrange expression de triomphe qui me déconcerta. Il descendit lentement de la chaise pour s'approcher de moi. Un rictus diabolique au coin de ses lèvres minces. Je me sentis soudain en danger de mort, et sortis aussitôt de ma poche mon fameux projecteur, car je ne sais pourquoi, quelque chose me disait qu'il servirait à ma défense. Je le braquai sur son visage. Ses traits jaunis prirent une couleur violette, puis devinrent tout roses. Son exultation satanique se mua en une attitude de terreur profonde, battant brutalement l'air de ses bras. Il recula en trébuchant. Il se trouvait près de la trappe ouverte. Je criai pour l'avertir. Mais il ne m'entendit pas. L'instant d'après, il tomba à la renverse dans cette ouverture béante et disparut. Avec circonspection, je m'approchai de la trappe. Me penchant au-dessus de l'escalier, je constatai qu'il n'y avait en contrebas aucun corps écrasé. Par contre, j'aperçus une foule de gens accourant vers moi avec des lanternes. Le charme du silence et des fantasmes étaient rompus. J'entendais à nouveau des sons humains, et ce que je voyais avait nos habituelles trois dimensions. Quel bruit les avait donc attirés? Les deux personnes qui se trouvaient à la tête de la troupe de simples villageois s'arrêtèrent, pétrifiées. En me voyant, l'une d'elles se mit à hurler. « Quoi? Quoi? Encore ?» Prise de panique, la troupe entière s'enfuit. Seul un homme resta. Je reconnus en lui le barbu qui m'avait conduit en ce lieu. Debout, seul, une lanterne à la main, il attendait. Il semblait fasciné, mais non effrayé. Il me rejoignit dans la mansarde. « Ainsi, dit-il, vous ne l'avez pas laissé tranquille. Je sais ce qui est arrivé. Cela s'est déjà produit une fois, mais l'homme a eu peur. » Il s'est tiré une balle. Vous n'auriez jamais dû le faire revenir. Vous savez ce qu'il veut. Quelque chose de terrible est arrivé. Sans aller assez loin cependant pour porter atteinte à votre personnalité. Si vous gardez votre sang-froid et si vous acceptez d'apporter certains changements dans votre vie, vous pourrez continuer à jouir de l'existence. Mais vous ne pourrez pas vivre ici. Je ne pense pas non plus que la vie de Londres vous convienne. Je vous conseille de gagner l'Amérique. Ne tentez plus aucune expérience ici. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Vous ne vous en êtes pas mal tiré, mais partez immédiatement. Et remerciez le ciel. Je vais essayer d'être franc avec vous. Il s'est produit un certain changement dans votre apparence. On pouvait s'y attendre. Mais si vous quittez ce pays, vous pourrez vous y habituer. Venez, il y a un miroir à l'autre bout de la pièce. Bien que vous ne soyez pas repoussant, attendez-vous un choc. Comme je tremblais de peur, l'homme à la barbe dut me soutenir pour m'accompagner jusqu'à la glace. Un homme mince, à la peau sombre, de taille moyenne, vêtu de l'habit de l'église anglicane, portant des lunettes sans monture à branches d'acier qui brillaient sous un front anormalement haut, le premier arrivant silencieux qui avait brûlé ses livres. Pour le reste de ma vie, au moins en apparence, j'allais devoir être cet homme.